Les circonstances ont fait que tous les responsables des départements économiques et le secrétaire général, président du gouvernement, se soient tous retrouvés ou représentés à cette conférence. C'est vous dire le grand intérêt que la direction du parti et du gouvernement porte à ces rencontres qui permettent de faire le bilan du semestre ou du trimestre écoulé et en même temps de projeter dans l'avenir les réalisations qui vont permettre d'accélérer le développement économique de la région. Nous insistons donc auprès de tous les participants pour le sérieux et la hauteur des débats afin que ceux qui ont pu assister aux rencontres précédentes puissent se rendre compte d'une réelle évolution, non seulement dans la manière d'aborder les problèmes, mais aussi de les poser et d'en suggérer les solutions. Monsieur le Président du gouvernement, camarades, en ouvrant la première séance de notre quatrième conférence économique, mes premiers mots seront pour saluer en votre nom à tous et au nom de toutes les populations de la 6e région, notre secrétaire général, le camarade Modibo Keïta, président du gouvernement, qui, accompagné de quelques-uns des plus grands responsables du parti et du gouvernement, a tenu, malgré un calendrier surchargé, à assister aux travaux de notre conférence économique. Je n'ai pas besoin d'insister sur l'honneur et la joie que nous procure cette présence, car elle constitue pour nous le gage que nous tirerons les uns et les autres des débats de cette conférence, des enseignements précieux qui nous armeront davantage pour les luttes à venir. Camarades, l'utilité de ces rencontres périodiques au niveau des responsables régionaux n'est plus à démontrer. Elles nous permettent chaque fois de faire le point, de présenter un inventaire de nos réalisations et aussi de nos échecs, de rappeler à tous les tâches posées par le parti dans les domaines divers de l'économie et de la politique afin de sortir notre pays du sous-développement. Je n'insisterai pas aujourd'hui sur ces généralités pour l'avoir déjà fait à l'occasion de nos deux premières conférences régionales. Tout à l'heure, notre camarade Abdoulaye Maïga, conseiller économique de la région, vous présentera un rapport où vous trouverez la situation de la 6e région sur les plans économiques et sociaux. Ce document nous servira de base de discussion autour de l'exécution dans notre région économique du plan quinquennal. Ici donc, je vais limiter cet exposé préliminaire aux seuls problèmes politiques et administratifs et dire que dans ce domaine, la situation demeure bonne. Oui, malgré les énormes difficultés du travail politique et administratif dans ces vastes régions, difficultés que nous avons largement évoquées au cours des débats de notre deuxième conférence tenue en août dernier, il nous plaît de constater que grâce au dévouement et à l'abnégation de tous, l'encadrement politique et administratif s'améliore de jour en jour, ce qui nous permet de mieux appréhender les problèmes et par voie de conséquence de tenir davantage la situation en main. Depuis notre dernière réunion en novembre 62, la vie politique dans les circonscriptions a été dominée par les conférences régionales qui ont permis partout une remise en ordre afin de mieux aborder les tâches politiques que le dernier congrès national de notre parti vient encore une fois de définir. À l'occasion de ces conférences, les secrétaires de section ont présenté sur les problèmes politiques, économiques et sociaux de leur circonscription des rapports au contenu très substantiel qui doivent constituer dans les mains des responsables administratifs et des techniciens de tous ordres de précieux documents d'information et de travail. La campagne de souscription à l'emprunt national, campagne à laquelle les diverses sections de la 6e région
ont largement participé. Les missions de contrôle effectuées dans toutes les circonscriptions par les délégations du Bureau politique national ont été l'occasion pour les sections de mener partout une intense action politique et également de mesurer l'influence du parti qui ne fait que s'accroître. L'ouverture des écoles régionales des cadres, traduisant la sollicitude du parti envers les problèmes de formation des cadres, a été également saluée par l'unanimité des militants auxquels son importance n'a pas échappé. Ceci dit, il nous faut maintenant passer en revue les différentes circonscriptions et signaler à l'attention de la conférence les faits qui ont le plus marqué leur vie politique et administrative depuis que nous nous sommes séparés en novembre dernier. Cercle de Dire. Quelques difficultés entre responsables politiques et administratifs ont surgi, mais elles ont rapidement trouvé leur solution, car, comme l'a si bien dit le secrétaire général de cette section, dans le rapport politique qu'il a présenté à la conférence régionale, l'incompréhension et les mouvements d'humeur enregistrés entre responsables du parti et de l'exécutif procèdent beaucoup plus de la forme à donner au principe que du principe lui-même. Parlant de Dire, on ne peut ne pas signaler que cette section a, au cours de sa dernière conférence régionale, pris une position hardie sur le problème non encore résolu des terres. Il nous reste à souhaiter hardiesse et constance dans l'application des décisions prises dans cette question d'importance capitale pour le développement harmonieux de l'économie de notre région. Cercle de Goundam. Lors de notre conférence novembre 62, parlant du cercle de Goundam, j'ai dit que nous pensons que la prochaine conférence mauritano-malienne réglera une fois pour toutes le contentieux Mali-Mauritanie pour le bien-être de nos populations frontalières. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les accords de CAI ont résolu le problème des puits du Tilemsi. Aussi ont-ils été salués avec ferveur par les populations du cercle de Goundam qui, nous le souhaitons, vont désormais connaître une ère de paix avec leurs voisins mauritaniens. Il faut également signaler le problème posé aux responsables de Goundam par les rapatriés d'Arabie Saoudite dont les reclassements s'avèrent difficiles. Cercle de Tombouctou. Dans ce cercle, le fait saillant, outre sa conférence régionale qui fut un modèle d'organisation, c'est le voyage à Taoudenit de la mission gouvernementale dirigée par le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État à la Défense et à la Sécurité. Cette mission, par ses résultats, a eu un grand retentissement dans les milieux nomades des cercles traversés, Gao, Bourem, Kidal et Tombouctou. Elle réalisa sur le plan technique une véritable performance en parcourant une distance d'environ 2400 km avec 22 véhicules sans incident mécanique. Elle nous a surtout permis de mieux connaître les régions traversées, de mieux comprendre le problème de l'exploitation des mines de sel de Taoudenit, dont l'importance économique pour le Mali est connue. Sur le plan culturel, la mission, en découvrant les richesses des bibliothèques d'Arawan et de Bouzbéa, a réalisé toute la valeur des matériaux que ce cercle pourra fournir aux chercheurs de tout genre, préhistoriens et archéologues engagés dans la tâche passionnante de reconstitution de l'histoire humaine en général et de l'histoire de l'Afrique en particulier. Cercle de Gourmararous. Les problèmes soulevés par l'agitation de certains ressortissants de la tribu Kelgossi qui, sous la conduite de leur chef Ogoyenet, ont quitté le Mali pour un état voisin ont été vite résolus grâce aux mesures énergiques prise sur le plan politique et administratif. Courant février, en compagnie des responsables politiques de Rarous, j'ai pris contact avec toutes les fractions nomades de Gourma, du Gourma, auxquelles j'ai tenu un langage très ferme. Entre autres, j'ai dit aux nomades que l'option de notre parti pour une complexe démocratie et une politique d'égalité est irréversible, que c'était là une chose à prendre ou à laisser, car nous n'avons plus de temps à consacrer à ceux qui, pour des intérêts personnels et égoïstes, ne veulent rien comprendre et tentent d'aller contre le sens de l'histoire. En tout cas, le calme est depuis revenu dans le Gourma, dont les responsables se sont attelés à d'autres tâches d'organisation politique et économique. Cercle de Bourem. Le grand problème de ce cercle a toujours été le problème posé par la tribu Kunta, difficile à administrer parce que très dispersée. Néanmoins, grâce aux doigtés employés par les responsables, les solutions à ce problème apparaissent de mieux en mieux. Il faut également signaler que Bourem, qui faisait partie de la grande section de Gao,
vient d'être érigé en section autonome. Cercle de Gao, Kidal et Menaka. Le fait notable à signaler, c'est l'éclatement à la suite de la décentralisation politique de la grande section politique de Gao qui comprenait les cinq cercles de Gao, Bourem, Ansongo, Menaka et Kidal. Là où il y avait une seule section, trois nouvelles sections ont été formées qui sont la section de Gao comprenant les cercles de Gao, Menaka et Kidal. En effet, Kidal et Menaka étant des circonscriptions essentiellement nomades, il est aisé de deviner qu'en raison du manque de cadre politique, il n'était pas du tout réaliste de donner à ces circonscriptions une entière autonomie politique. Deuxièmement, la section de Bourem. Troisièmement, la section d'Ansongo. En plus de ces changements dans l'organisation politique, il faut signaler que les difficultés que les cercles de Gao, Kidal et Menaka avaient avec leurs voisins du Niger et de la Haute-Volta se sont beaucoup aplanies grâce aux rencontres fréquentes organisées entre responsables administratifs, rencontres préconisées par les conférences inter-États de Sang et de Gao. À Kidal, il faut signaler le décès d'Atahir Agili, chef de tribu de Kel Efele, qui jouissait d'une grande autorité dans tout l'Adrar. Sa succession pose certains problèmes qui vont bientôt trouver leur solution. De façon générale, la fin des hostilités en Algérie ouvre pour ce groupe de cercles, Bourem et Ansongo compris, d'heureuses perspectives dans l'amélioration rapide de la conjoncture économique. Cercle d'Ansongo. Le fait important de ce cercle, qui également vient d'être érigé en section, est d'ordre économique. Il s'agit de la création du marché de Tessi, qui d'ailleurs concerne l'ensemble de la 6e région. Les résultats déjà enregistrés autorisent tous les succès qu'on était en droit de fonder sur ce marché. D'ores et déjà, nous pouvons dire que nous ne nous sommes pas trompés dans nos prévisions et que la création de ces marchés périphériques, dont Tessi n'est que le premier maillon, va jouer un rôle important dans le développement économique de notre région, dont toute la richesse était troquée sur les marchés extérieurs sans aucun profit pour notre balance commerciale. Mais, pour que cette création de marché joue pleinement leur rôle, il faut que le gouvernement se penche encore davantage sur le problème du prix du mil dans la 6e région. Quel que soit notre éloignement des gros cercles producteurs de céréales de notre pays, il peut paraître paradoxal qu'une partie du Mali continue à dépendre de l'extérieur pour ses besoins en mil. Ces importations de mil continuent à coûter à notre région une bonne partie de ses produits animaux et du sel de taoudénite exporté dans la zone franc. Afin que la totalité de nos exportations en produits animaux et en sel nous revienne sous forme de devises, il faut que le mil du Mali se vende dans notre région au même prix que dans les cercles producteurs. C'est là, il me semble, un problème qui mérite d'être étudié, car ce que nous perdons d'un côté par le système de péréquation à instituer, nous pouvons le gagner par une augmentation sensible des devises. De toute façon, il est attristant que le Mali, grenier de l'Afrique, continue à échanger sa viande, son sel, contre du mil, alors qu'il n'est pas rare de trouver des greniers de 8 ans dans certaines de nos circonscriptions. Enfin, le problème des rapatriés d'Arabie Saoudite, déjà signalé à Gundam, se retrouve également dans le cercle d'Ansongo avec la même acuité. Voilà, Monsieur le Président et chers camarades, de façon très schématique, la situation politique et administrative de la région, qui, au cours des débats qui vont s'instaurer, sera reprise plus en détail par les secrétaires généraux et les chefs de circonscription. Pour conclure, permettez-moi de porter à la connaissance de la conférence certains changements survenus dans le commandement des circonscriptions administratives. Ainsi, assiste pour la première fois à notre conférence le camarade Komakan Diabaté, qui, précédemment adjoint au cercle de Kai, vient d'être nommé commandant cercle de Gao en remplacement de notre collègue Bababa, appelé à d'autres fonctions. En votre nom, je lui souhaite la bienvenue dans la 6e région et du succès dans ses nouvelles fonctions. En outre, la confiance du parti et du gouvernement vient d'appeler notre camarade Hadji Sangaré, commandant de cercle de Tombouctou depuis 59, aux hautes fonctions d'inspecteur des affaires administratives. Nous nous réjouissons tous de cette promotion bien méritée et en votre nom, j'adresse au camarade Hadji nos vives félicitations et nos souhaits de succès dans ses nouvelles et délicates fonctions. À la suite de cette promotion, notre collègue Bakar Boukadari a été désigné par le gouvernement au commandement du cercle de Tombouctou. Il est remplacé à Gundam par le camarade Moussa Tunkara, précédemment commandant du cercle de Kourou. Nous souhaitons à tous deux du succès dans leurs nouvelles fonctions. C'est sur ces informations que je vais terminer. Persuadé que cette conférence qui s'ouvre aujourd'hui
aura pour nous tous des résultats positifs qui se traduiront dans la façon d'accomplir nos tâches futures pour la construction économique de notre pays. L'avenir économique d'une région aussi importante du Mali dans le cadre de l'option socialiste révolutionnaire et regrette vivement mon absence cause traitement médical. Stop. Souhaite plein succès conférence et prie Dieu d'aider dirigeants du peuple héroïque du Mali à renforcer leur indépendance économique, base essentielle de toute souveraineté réelle. Directeur Médersa. Souhaitons bonheur, prospérité et nouveau succès. Que se consolide et se renforce la coopération amicale entre les peuples du monde. Vive la paix durable, la paix inébranlable pour le bonheur de l'humanité. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers invités, Excellences, chers camarades, ma joie est profonde de pouvoir dire quelques mots en cette occasion historique où un honneur insigne porte à la pointe de l'actualité notre parti, l'Union Soudanaise RDA, le peuple du Mali et le peuple d'Afrique en général. Je veux essentiellement, faute de pouvoir expliquer les émotions intenses qui nous étreignent, adresser mes vifs remerciements au Comité international du prix Lénine pour la paix, pour le choix qu'il fut porté sur le Mali, ses combattants et ses héros tombés pour la gloire et la liberté de l'Afrique. Mes remerciements vont également à toutes les Maliennes, à tous les Maliens, à tous les amis d'Afrique, d'Asie et d'Europe qui ont salué avec joie l'attribution du prix Lénine de la paix à ma modeste personne par les nombreux messages de félicitations à la direction du parti et du gouvernement. Comment ne pas être ému par la présence d'une délégation du bureau politique du PDG qui témoigne une fois de plus de la grande solidarité qui unit le peuple du Mali au peuple frère de Guinée. Comment ne pas saluer aussi avec joie la présence de la délégation sénégalaise qui est la preuve de la grande réconciliation entre nos deux peuples frères et de la grande réconciliation africaine. Monsieur le Président, à travers ma personne, le témoignage du Comité international du prix Lénine s'adresse à tous ceux qui, de Kaï à Nsongo, de Sikasso à Tsoussalit, ont lutté pied à pied, des années durant, pour que vive la République indépendante du Mali. Il me plaît de souligner plus particulièrement que l'événement que nous vivons aujourd'hui vient couronner nos efforts inlassables pour l'avènement et le maintien de la paix entre les peuples depuis la dernière guerre mondiale, où la France, la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Union des républiques socialistes soviétiques ont payé de la vie de millions d'hommes le droit des peuples à la liberté, à la justice, à la fraternité et à la paix. Mais, depuis que le monde s'est empressé de rivaliser dans le domaine du perfectionnement des engins de guerre, notre peuple, parmi les tout premiers, éleva sa voix par l'intermédiaire de son parti contre l'usage des armes abominables qui furent employées contre le vaillant peuple du Vietnam aspirant à l'indépendance, contre le peuple héroïque de Corée décidé à conquérir sa patrie, et, plus près de nous,
contre le peuple frère d'Algérie. Depuis 1960, la République du Mali a persévéré dans cette voie pour dénoncer la course effrénée aux armements, pour joindre sa voix à celle des autres peuples du monde, afin de mettre un terme aux expériences nucléaires, afin de favoriser la conclusion d'un traité de désarmement général et complet sous contrôle international. En effet, que davantage l'humanité entière pourrait tirer des sommes considérables englouties dans la construction des armes pour destruction massive, et quelle amélioration de leur situation les peuples intéressés pourraient en tirer. Enfin, la conclusion du traité de désarmement général et complet eût permis de renforcer l'assistance apportée par des pays industrialisés aux pays en voie de développement. La tension permanente en Europe, en Amérique latine, n'a pas laissé indifférent l'Union soudanaise RDA, le peuple du Mali et les peuples africains, qui à chaque fois ont fait entendre le cri du cœur et de la raison, la voix de la justice et du droit inaliénable des peuples à la liberté. Au stade actuel, il n'est pas possible de contester que la tension internationale apparaît comme la conséquence de la cause de guerre créée dans la réalité d'une rivalité permanente et évolutive ou dans la perspective d'un affrontement à venir. L'ensemble ignorait que les peuples haïssent la guerre et qu'ils veulent la paix à tout prix. C'est de toute évidence le cas du peuple de la République du Mali qui estime que la lutte des idéologies ne doit jamais déboucher dans une guerre chaude. Au contraire, elle devrait trouver sa solution dans la coexistence pacifique, la compétition loyale et libre entre systèmes différents, tant il est vrai que la victoire reviendra inévitablement à l'idéologie qui rejette l'injustice, qui s'insurge contre les iniquités sociales, qui abolit l'exploitation d'un homme par un autre homme, la domination d'un peuple, d'un État par un autre État. Puisse ma voix être entendue de Bamako, où je lance un appel aux grandes puissances pour qu'elles écoutent à Genève la voix des pays non alignés, la voix des peuples qui constituent un tiers du monde. Cet appel de tous les peuples pour le maintien et la consolidation de la paix dans le respect de la liberté de chacun pour le triomphe d'un monde nouveau et meilleur. Monsieur le Président, Excellence, c'est dans la volonté de paix que s'inscrit la conférence au sommet des États africains d'Addis Abeba où le peuple de la République du Mali, aux côtés des autres peuples frères, a pris une nouvelle responsabilité. Monsieur le Président, l'attribution du prix Lénine de la paix au secrétaire général de l'Union soudanaise RDA couronne les efforts de notre parti et élèvera la conscience militante de notre peuple. Le prix servira à créer un centre de rééducation pour sauver d'une infirmité permanente. Le prix servira à créer un centre de rééducation pour sauver d'une infirmité permanente les milliers de jeunes Maliens qui ont eu à souffrir de la poliomyélite. Je peux vous assurer que plus que jamais, chaque militant, chaque citoyen en République du Mali se mobilisera davantage pour la lutte efficace contre la guerre, pour la libération des peuples colonisés, libération sans laquelle il ne saurait y avoir de paix durable. Félicité, section de Tombouctou, les autorités administrative de Tombouctou pour l'excellente préparation matérielle de la conférence et l'excellence aussi des conditions d'hébergement de tous les délégués venus des diverses régions de la circonscription et venus également du chef-lieu.
Nous tenons également, camarades, à vous féliciter très sincèrement de la haute tenue des débats, de la valeur des arguments avancés et du grand esprit du militant engagé dans la construction socialiste dont vous avez fait preuve. Vous pouvez donc être convaincu que le parti et le gouvernement suivent avec un intérêt de plus en plus croissant tous les problèmes de la 6e région et en particulier les problèmes humains. Certes, sous l'administration coloniale, une tendance marquée chez les agents de la fonction publique et même chez l'administration coloniale était de considérer la 6e région comme un arrière-pays et comme une région presque sacrifiée où devaient être affectés les fonctionnaires contre lesquels des sanctions disciplinaires étaient prises. Mais à l'heure actuelle, dans la République du Mali, qui a le souci de l'unité nationale et surtout qui a le souci de la grande harmonie entre toutes les couches sociales, entre toutes les régions de la République, pour les responsables conscients de notre pays, la 6e région doit être la région qui doit retenir le plus notre attention. En effet, c'est une région qui, sur le plan politique, a eu à faire face à des tâches beaucoup plus importantes, beaucoup plus considérables que les autres régions. D'abord en raison de la dispersion de la population, de l'étendue des distances à parcourir et de la faiblesse des moyens. Malgré cela, les camarades politiques sont arrivés à engager cette région dans l'option du parti et surtout à en faire une région dont le niveau politique n'a rien à envier aux autres régions où il peut y avoir une forte concentration de population. Je me dois aussi de mettre l'accent sur le rôle de nos camarades chargés des services administratifs qui, dans les conditions que nous savons, avec les faibles moyens dont ils disposent, ont su faire apprécier notre administration et répondre pleinement aux espoirs qu'on avait fondés en eux. Quant à nos camarades des postes éloignés dans les groupes nomades, nos camarades de l'armée qui, immédiatement confrontés avec les problèmes qui se posent dans ces régions, les ont compris, ont su s'attirer la confiance et l'estime des populations au point qu'aujourd'hui, certains d'entre eux ont su dominer les complexes que l'administration coloniale avait créés en eux pour s'intégrer à la population et devenir, au même titre que les camarades de l'administration, des administrations, ou comme l'ont dit des camarades civils, des militants convaincus, irréversiblement engagés dans la voie de la construction socialiste du pays. Un accent particulier pour nos frères nomades qui constituent aujourd'hui sur le plan humain l'une des plus grandes préoccupations du parti et du gouvernement. Il faut que toutes les énergies soient mobilisées, que toutes les bonnes volontés puissent s'affirmer
afin que malgré les distances, les populations nomades, où qu'elles se trouvent, puissent être atteintes, afin que de plus en plus, elles soient accessibles à la diffusion de l'éducation, de l'enseignement et aux soins médicaux. Car nous n'aurons rien fait si certaines régions de la République, ou même plus particulièrement de la 6e région, peuvent se féliciter des conditions matérielles que le parti et le gouvernement offriront à leur population, si nous avons encore des frères maliens, des citoyens maliens, des camarades du parti, qui sont obligés, de par les exigences du climat et de la géographie, de mener une vie pénible, une vie errante, une vie difficile. Or, nous n'arriverons vraiment à corriger les inconvénients du climat et de la géographie que dans la mesure où nous arriverons à convaincre les camarades nomades de la nécessité plus impérieuse aujourd'hui qu'hier pour eux et pour nous de s'intégrer dans le courant de l'évolution universelle et qui exige avant tout l'accession aux connaissances que diffuse l'éducation. Cela, camarades, ne sera possible que dans la mesure où responsables politiques et administratifs redoubleront d'efforts. Je sais que déjà, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire avec les moyens mis à votre disposition. Mais comme vous le savez, les uns et les autres, nous avons affirmé que nous sommes une promotion sacrifiée. C'est une réalité. Parce que si le programme de développement de la République se réalise point par point, ceux qui demain seront appelés à prendre la relève ne connaîtront certainement pas les conditions difficiles de travail que nous avons connues. Alors nous insistons auprès de vous pour que, convaincus que chacun de vous, au point où il se trouve, au poste qu'il occupe, n'est pas seulement un fonctionnaire, n'est pas seulement un militaire, n'est pas seulement un simple citoyen, mais plutôt un apôtre. Un apôtre qui exige l'engagement total à la cause du peuple. L'abnégation la plus totale pour la défense des intérêts du pays, pour la défense des biens de la République, mais surtout un esprit d'initiative qui fait que, confronté avec les difficultés imprévisibles, on arrive toujours à dégager les solutions les plus efficaces pour résoudre ces difficultés et aller de l'avant. Pour terminer, camarades, je dois vous dire que je me félicite d'avoir pris sur moi l'obligation d'assister à cette conférence. J'en ai tiré beaucoup d'enseignements, d'abord en tant que simple militant et aussi en tant que chef de gouvernement. Et je suis convaincu que les autres membres de la délégation du Bureau politique national et du gouvernement en ont, eux aussi, et comme moi, tiré un grand profit. Je formule donc le vœu, en leur nom et à mon nom personnel, pour que cette conférence de la région de Gao puisse permettre des solutions aux problèmes qui jusqu'ici sont demeurés insolubles et qui préoccupent non seulement toute la population, tous les cadres politiques administratifs de la 6e région, mais aussi
tous les responsables de la République du Mali.